Que le combat commence! Re tout le monde, c'est Bazon. Et si bah, vous venez de la précédente game, hein, vous avez vu le vol. Voilà, nous. On s'est fait voler la game, clairement. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Alors, juste un instant, je coupe Skype, sinon ça va pas arrêter. Voilà. Et ben, on va lancer la deuxième partie. Ouais, c'est. C'est pas sympa. C'est pas sympa, on a bien géré. Ce qui est le plus frustrant, c'est que je savais ce qu'il avait en jeu, mais. En main, mais bon, après, voilà. Enfin, fallait qu'il ait les deux cartes, bon, parce que j'avais 17 points de vie. Bref, passons. Allez, vengeons-nous sur un paladin. En plus, il a même d'autres cartes. Ok. L'entité miroir, c'est pas mauvais. En début, ça permet de. Je sais pas si je la garde. Peut-être chercher des créatures tour 2 et 3. Ouais, on va peut-être chercher des créatures tour 2 et 3, il en faut. Sergent grossier. Ah cool, ça va. Parfait. Très bonne main. Très bonne main de départ. On a la pièce, donc ça va être intéressant de pouvoir faire gain de mana dès le premier tour. Voilà. Donc ça, on le fait. Et tour 2. Là, c'est... Ouais, je peux faire la pièce. Peut-être faire pièce. Non, je vais peut-être pas faire la pièce. Je vais faire ça en fou. Ça dépend ce qu'il joue. S'il joue une petite créature ou... S'il fait un jeton, c'est encore mieux pour moi. Là, j'utilise pas ma pièce, j'en ai pas besoin. L'idéal, c'est de pouvoir gérer sa créature sans que la mienne meure. Je peux faire un jet de besoin. Parfait. Donc, on fait juste savon fou. Savon fou. Voilà. La masseur du butin est une bonne carte, je vous la conseille si on vous l'avait. Enfin, ça dépend de ce qu'il y a en face, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment une carte qui. Bon, ça donne pas forcément une carte advantage parce que. Elle reste pas. Et elle n'a pas géré une de mes créas, mais voilà, ça, c'est pingable par les classes les plus jouées, hein, c'est-à-dire... Enfin, pas les plus jouées, mais bon, druide, c'est beaucoup joué, et mage, surtout. Donc, c'est pas la meilleure des cartes. Mais voilà, ça fait le boulot. Est-ce que je me mets une 5-4 ? Ouais, je me mets une 4-5, allez, hop. Je garde mes créatures, bien sûr, hein, le but, c'est de garder ses créatures. Même si elle a conseil, bah c'est pas grave. Hein. Sachant que ma carte a déjà géré une de ses créas. On compte pas les jetons comme une créature, hein. C'est comme mon pouvoir de héros. Hein. Donc voilà. Pour l'instant, on domine. Il a 7 cartes, j'en ai 7. Enfin, on domine, non, on est ex aequo. Hein. Ok. Là, le mieux, on fait ça. Voilà. Ouh, ça lag un peu là. Attendez, je vais voir si je peux faire quelque chose. Hop. Voilà. Je sais pas si je peux faire mieux. On va tester comme ça, on verra sur la prochaine game au pire, hein, je suis désolé. On attaque. Qu'est-ce que j'ai eu comme secret ? Contre-sort. Donc on va rester comme ça, l'idéal c'est qu'il me fasse une consécration. C'est pas mal. Là s'il a une bénédiction, ça serait dommage pour moi. S'il peut me gérer qu'une créa, c'est bien. Après il a sûrement fait ça pour tester mon sort. Hein. Enfin, mon secret. Je vais baisser le son du jeu, parce que si ça bug un peu, j'ai pas envie de vous... Enfin, très bien. Il a vraiment bien joué. Ah, ça lag un peu, hein. Je suis vraiment désolé. Alors, on gère sa créa... Comme ça. Oh,
Est-ce que je pose une créature? On va poser la colite de la souffrance. Ça permettra de gérer les tokens. Et de piocher les cartes. Là. La colite de la souffrance n'est pas forcément une très bonne carte. Mais ça permet de piocher. On va espérer piocher une boule de feu. Ok. C'est pas mal aussi. On joue la goule. Et on se crache. Alors, je vais mettre ça là-dessus. Juste pour éviter la consécration. S'il a un marteau du courroux, hein, il devra choisir entre les deux créatures. Et il choisira sûrement la goule parce qu'elle peut monter, mais il se doute pas que j'ai derrière un heal. Donc ça peut être intéressant. Piocher une fois de plus avec la colite. Bon, ça aurait pu être aussi quelque chose, hein, mais... Il a 7 cartes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, l'alarme, c'est vraiment une des meilleures cartes. Joue la goule, s'il te plaît. Parfait. Ok. Donc là, on est bien. Malgré qu'il arrive à gérer nos créatures, hein, il est quand même à 12 PV. Hein. Ouf. Voilà. Et c'est une victoire. Ça fait plaisir. Oula, oula, oula. J'espère que vous n'avez pas les mêmes lacs que moi dans les oreilles, parce que c'est juste horrible. Écoutez, un partout. Je vais redémarrer mon PC et on se retrouve tout de suite. A tout de suite pour la troisième game. Travail terminé.